Nous sommes dans l'eau, sur un fond sableux, dans le courant d'une onde relativement pure. Devant nous, à 2 cm, un amphipode, nom tiré du grec, signifiant que cet animal a deux sortes de pattes, les trois premières en avant pour nager, les trois dernières pour sauter. Les puces de mer que l'on voit sauter sur les plages à marée haute sont des amphipodes. Ce sont des mini-crustacés, cousins aquatiques des cloportes. Devant la caméra de Canal Puces de mer, une jeune amphipode, encore vierge. Néanmoins, comme on peut voir, la tête en bas, les jambes en l'air. S'étant fixée par la nuque avec une colle de sa fabrication, elle commence un striptease. Elle a grandi, sa carapace de jeune fille la gêne aux entournures, elle s'en débarrasse. Quelque temps plus tard, la voici, comme une alpiniste en haut de l'Himalaya, dans une tempête de neige. Les flocons sont des particules de débris organiques transportées dans l'eau. Madame amphipode, car désormais elle est enceinte, est juchée sur un coquillage. Aidée par son mari, elle fabrique un bâtonnet, dont elle a collé la base sur le coquillage, en utilisant pour matériaux les détritus amenés par le courant et recueillis sur ses antennes. D'une part, elle les superpose en se servant de ses gnatopodes, traduction des pattes fixées sur sa gueule. D'autre part, à mesure qu'elle élève ce bâtonnet, elle l'enveloppe comme dans un cocon grâce à des pattes fileuses. À la fin, elle a construit ce qui pour elle est un mât, ou plutôt une très grande antenne, capable de résister au courant. Pourquoi? Cette tache blanche, sous son abdomen, ce sont ses petits, dans une poche marsupiale. Non seulement elle y a pondu ses œufs, ainsi conservés à l'abri du courant, mais les petits, une fois éclos, y sont encore demeurés quelque temps. Et ils grandissent, ils ne tiendront plus longtemps dans la poche. Mais ils ne sont pas encore assez développés pour éviter d'être emportés n'importe où par le courant. C'est pourquoi, après l'avoir construit, nettoyé et emballé dans un cocon, elle colle ses enfants sur ce bâton. Seulement voilà, d'autres amphipodes se précipitent sur le mât pour s'éviter d'en fabriquer un et y coller leurs petits, après avoir dévoré ceux qui s'y trouvent. Car les amphipodes sont carnassiers et ils mangent volontiers du bébé, du moins ceux des autres. Mais il ferait beau voir que la maman de ceux-là se soit donné tout ce mal pour rien. Elle monte la garde et vire de son territoire toutes les fausses mamans qui s'y pointent. Et si l'intrus est un faux papa, c'est son mari qui s'en charge. Une fausse maman, ça ne mange pas forcément les enfants des autres. Mais ça peut les perturber. La preuve. Voici, rassemblés, deux genres de pinsons différents. Le diamant australien avec son bec rouge et le domino japonais. Les dominos sont noirs et blancs, d'où leur nom. Voici une nichée, où l'on a mis ensemble les bébés diamants
et les bébés dominos. Les diamants sont les sombres avec un duvet. Les dominos sont clairs et tout nus, sans plumes. Tout ce petit monde, mélangé, est confié à des parents d'une seule des deux espèces, les dominos. Entre leur sixième et leur onzième jour, les bébés ouvrent les yeux. Tout ce petit monde est nourri pendant 3 semaines. Trois mois plus tard, sexuellement mature, l'un de ces jeunes mâles diamants est mis en présence d'une femelle domino, une jeune de son âge. Il la drague. Moralité. Entre le 15e jour de sa vie, où il a ouvert les yeux, et le 40e jour où il l'a quitté, le petit diamant a été sexuellement imprégné par la maman domino. Elle lui a brouillé les cartes. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'une maman, perturbée elle-même, devienne une fausse vraie maman. Ces images datent de 1972. Elles ont été tournées en Suisse, aux eaux de Bâle. Cette maman gorille s'appelle Cathy. Son bébé s'appelle Uzima. C'est une petite fille. Ce que fait Cathy, toutes les mamans gorilles le font. Elles mettent leur bébé sur leur tête et le lâchent, pour lui apprendre à se rattraper tout seul. Mais elles ne le font jamais avant que le bébé soit âgé de 2 ou 3 mois. Et encore, dès qu'il est mal à l'aise ou commence à pleurer, elles le reprennent et attendent plusieurs jours avant d'essayer à nouveau. Le malheur, c'est qu'Uzima est un nouveau-né de 2 semaines. Sa mère est comme une horloge en avance, très en avance. Elle fait ce qu'elle devrait faire 3 mois plus tard. Le bébé, évidemment, n'y comprend rien. Sa maman déglinguée, non plus. Et voilà pire. Ça aussi, toutes les mamans gorilles le font. Mais jamais avant que leur bébé en soit au 4e mois. À ce moment-là, ça les fait rire. Mais pas quand ils ont 2 semaines. Cathy n'était pas folle. Elle était seulement désynchronisé. Il a fallu lui enlever son bébé. On parvient très difficilement à faire naître des gorilles en captivité. Et souvent, les mères s'en désintéressent ou les brutalisent. Ou alors elles manquent de lait. Dans ce cas, plutôt qu'une maman déglinguée, mieux vaut pas de maman du tout. Enfin, ça dépend. Une fausse maman, ça peut être mieux que rien. Université de l'État de Pennsylvanie. Département de psychologie. Investigation menée dans les années 60 par le professeur Harlow. Analyse des facteurs de forme et de développement de l'affection chez les primates. Ce bébé est un macaque rhésus. Dès sa naissance, il a été séparé de sa mère. On lui en propose 2 fausses. D'une part, une maman fil de fer et tête de bois. D'autre part, la même améliorée avec une fourrure synthétique. Il la préfère nettement. Une maman, on doit pouvoir se blottir contre. Surtout quand on a peur. Chaque fois qu'il est ainsi inquiété par des objets bizarres, ce bébé, qui n'a donc jamais vu sa vraie mère, il en a été séparé avant même d'ouvrir les yeux, se réfugie vers celle qu'il prend pour une vraie. Dans son angoisse, il veut même caresser la tête de maman, ce qui la lui fait tourner à 180 degrés. Voilà maintenant qu'on le prive de cet ersatz de maman.
c'est la déprime totale. On se demande comment les scientifiques ont eu le cœur de lui faire ça. Ils n'ont pas prolongé et lui ont vite rendu sa vraie fausse maman. Mais entre-temps, il a éprouvé une vraie angoisse. Allons bon. Voilà qu'on lui représente la maman fil de fer et tête de bois. Ah ben non alors, c'est pas ma maman. Où est ma vraie maman? Celle-là, je m'en balance. Tandis que celle-ci, je me balance avec. Une maman, ça berce. Entre deux mamans à fourrure synthétique, l'une fixe, l'autre à balançoire, il n'hésite pas. Le bébé macaque n'est pourtant pas au bout de ses épreuves. On enferme sa fausse maman dans une cage de plastique transparent. Il s'agit, hors de tout contact et de toute odeur, de mettre en évidence le stimulus de la vision. Nouvelle angoisse du bébé cobaye. Et voilà maintenant qu'on lui fait le coup de la maman à éclipse. Coucou, la voilà. Coucou, la voilà plus. Coucou, la revoilà. Le chercheur américain a voulu prouver ici que le fait de se sentir en sécurité auprès de la mère pendant l'enfance est très important pour le développement spirituel futur des enfants. À l'appui de sa thèse, il déclare avoir élevé des bébés macaques, d'une part uniquement avec des fausses mamans pas chères, modèle fil de fer tête de bois, et d'autres avec le modèle haut de gamme à fourrure synthétique. Ceux-ci, note-t-il, se sont développés moins anormalement que les autres. Anormalement quand même, mais moins. Deux ans après que les jeunes singes aient quitté leur fausse mère, il a organisé des retrouvailles devant la caméra. Il n'a pas oublié sa vraie fausse maman. L'émotion, évidemment, n'est pas partagée. Mais ça n'a pas l'air de l'empêcher d'être heureux. À se demander si, finalement, il n'est pas plus vital d'aimer que d'être aimé en retour. Et si l'image de la mère n'est pas plus importante que la mère. Mais peut-on risquer de comparer les singes aux humains? Le professeur Harlow, lui, n'a pas hésité. Dans le plan assez court que vous allez voir, il montre en conclusion que même un bébé humain peut être attiré par une vraie fausse maman tête de bois. Une fausse maman, ça peut même marcher mieux que la vraie. Voici une femelle de poisson d'eau douce africain, une perche colorée, qui vient de rejoindre son mâle. Il a des couleurs sombres. Il a préparé une frayère, une petite cuvette dans le sable. Elle y pond ses œufs, au-dessus desquels il lâche un nuage de sperme. Aussitôt, elle ramasse le tout avec sa bouche. Les œufs, l'eau mélangée de sperme, et, par des mouvements de mâchoire, elle le malaxe comme une mayonnaise. C'est ainsi que, dans sa bouche, elle féconde les œufs. Et c'est ainsi qu'elle va les faire incuber. C'est l'un de ces poissons que l'on dit à incubation buccale. Une fois les petits poissons éclos, de temps en temps, elle les relâche. Mais ils ne s'éloignent jamais beaucoup. Et si elle voit un danger quelconque, elle les récupère. Eux-mêmes, à la moindre alerte, reviennent spontanément là où ils sont en sécurité. On essaie de savoir par quoi est déclenché ce comportement.
Pensant que, de toute façon, ils sont attirés par le trou noir de la bouche de maman quand elle l'ouvre, on leur présente l'heure noire. Ça marche. Autre comportement mis en évidence. Attirés par la silhouette de cette fausse maman, ils vont néanmoins vers l'endroit le plus bas. Ils sont programmés pour ne pas s'éloigner du fond, là où leur mère vient toujours les ramasser. Maintenant, voyons si un cube noir, ça marche autant qu'une sphère noire. Non, ça ne marche pas aussi bien. Maman n'a pas la gueule carrée. Et une sphère plus petite ne marche pas aussi bien que celle de 4 cm de diamètre. Ces expériences ont montré que plus la mer est un poisson de grande taille, plus les alevins refusent une trop petite fausse bouche. Il leur faut la taille exacte. Maintenant, voyons l'effet de l'intensité d'éclairage. Une boule blanche attire les bébés poissons. Mais si elle a une tache noire, c'est beaucoup mieux. Les bébés nagent comme s'ils cherchaient une bouche ouverte. En fait, c'est le contraste de la tache noire qui déclenche la réaction d'attirance. Une boule grise marche nettement mieux qu'une blanche. Mais une boule noire est nettement plus attirante. Donc, les bébés poissons préfèrent une maman sombre et aussi noire que possible. Normal pour une mère qui doit attirer visuellement ses petits, mais ne pas non plus représenter pour les prédateurs une tache trop visible. Le sombre, l'obscurité près du fond, voilà ce qu'il lui faut, et ce qu'il faut à ses petits. Autre preuve. D'abord, les alevins sont attirés par la boule blanche avec du noir en haut. Mais ils préfèrent nettement celle qui a du noir en bas, près du fond. L'arrivée de cette grosse boule noire produit un remous qui affole les bébés poissons. Ils tombent au fond, où leur mère les ramasse. Mais voilà qu'ils se dirigent vers la fausse maman, plus attirante que la vraie. Ce qui met celle-ci en boule. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nounou ovni? Une concurrence déloyale? Du balai. La fausse maman qui marche mieux que la vraie, c'est un peu choquant. Il peut se trouver que la nature elle-même est prévue de remplacer la maman pour s'occuper des enfants. Nous sommes en Australie. Voici l'oiseau qui, bien avant l'homme, a inventé la couveuse artificielle, le mégapode. Traduction, l'oiseau qui a des grands pieds. Dieu sait qu'il en a besoin. Pendant l'hiver, là-bas c'est de juin à août, le mâle, uniquement le mâle, creuse dans la terre meuble et sablonneuse un trou pouvant aller jusqu'à 4,50 m de diamètre sur 1,20 m de profondeur. Il y rassemble un tas de feuilles et de brindilles, dans lequel il prévoit une chambre qui recevra un œuf. Il élève la motte, bien au-dessus du sol.
et la recouvre de 30 à 60 cm de sable pour que ça fermente dessous. Arrive la femelle au grand pied. Elle fait une petite niche dans la chambre de l'œuf et pond un œuf d'une demi-livre. Il attend que ce soit fait. Elle s'en va et le laisse tout seul refaire la motte. C'est plus long. Ça lui prend 3 heures. La semaine suivante, elle revient. Il recreuse, elle repond, il reattend, il refait la motte, et ainsi de suite, une fois par semaine pendant 6 mois, qui s'étalent sur 3 saisons, à travers lesquelles il faut maintenir la même température, 33 degrés et demi. Pas un demi-degré de plus ou de moins. Son thermomètre, c'est son bec, ultra sensible. Au printemps, voilà que le soleil remonte. Tous les soirs, le mâle revient, ouvre la motte jusqu'à la chambre de l'œuf, en teste la température avec son bec thermomètre. Ouh là là, c'est trop chaud. Vite, du sable frais. Comme ça, tous les soirs de printemps. Arrive l'été. Le compost à l'intérieur, quasiment décomposé, ne fermente presque plus. Mais le soleil, par-dessus, ça tape. Alors, c'est tous les matins de bonne heure que le mégapode revient. Il déterre le tout, ramène de la terre rafraîchie par la nuit et refait la motte chaque fois plus épaisse pour arrêter le soleil. Ainsi, chaque matin d'été, à l'aube. Arrive l'automne. Le soleil baisse et le compost, ayant fini de fermenter, ne chauffe plus les œufs. Opération inverse. Chaque jour un peu plus, il amincit la motte jusqu'à la creuser en forme de soucoupe, ne laissant qu'une couche de sable de plus en plus mince pour profiter au mieux du soleil plus faible. À cette saison, il ne vient qu'en fin de matinée, ramenant du sable superficiel qui a eu le temps d'être réchauffé. Tout ça est d'autant plus difficile que la femelle pond entre 20 et 30 œufs à l'allure d'une fois par semaine et que chaque œuf a besoin de 8 semaines pour éclore. Ça signifie que les premiers œufs sont éclos avant que les derniers aient été pondus. Imaginez le tintouin. Quand un poussin sort de son œuf, il est à peu près à 1 mètre de profondeur. Il est obligé, péniblement, de se dépatouiller tout seul pour faire surface. Il fonce vers un buisson et commence aussitôt pour se remettre par un bon casse-croûte, des graines et quelques insectes. Si c'est un mâle, il est condamné 2 ans plus tard à ce travail de dingue tous les jours depuis août jusqu'à mars, moment de l'éclosion du dernier poussin. Alors, on se dit qu'il a mérité de se reposer. Pas du tout. Il est déjà en train de creuser pour préparer la saison à venir. À certains moments, il est tellement débordé qu'il ne fait même plus attention à l'homme. La vie a fait du mâle de l'oiseau au grand pied un papa robot, dont l'épouse ne vit pas sur un grand pied d'égalité avec lui. C'est papa poule et maman cool. Quelle incroyable dépense d'énergie pour ne pas réussir mieux que les autres oiseaux. N'était-il pas plus simple de couver ses œufs comme tout le monde? Au besoin, chacun son tour.